Mais comment présenter ces bons vœux de façon originale, ne pas faire comme tous les autres? Vous vous posez peut-être encore la question. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas seul. Les politiques aussi y ont longuement réfléchi. Regardez le résultat. On peut dire qu'il y a un peu de tout. Alors, Aurélie certains Fogli préfèrent tout miser sur la créativité. De bonheur, de santé et une excellente année 2014. Un peu risqué peut-être. Du côté du Premier ministre, on a privilégié l'efficacité. Je vous souhaite une très bonne année, qu'elle puisse réaliser vos rêves. J'ai une pensée toute particulière aux personnes seules ou défavorisées. À tous, excellente année. Et puis de toute façon...